moi, je ne t'ai pas tiré des boulets de canon à bout portant. J'ai gagné. Dites, est-ce que toi avec vous? Ah non, on te tire, c'est de la guimauve, on dirait des passes. Ouais, bah au moins, avec Alain, je n'irai pas tout le temps chercher la balle dans le champ du voisin. Oui, eh bien, de toute façon, on ne peut pas. Ça ferait un nombre impair. C'est pas vu. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Ça ferait un nombre pair avec Alain. Ouais. Super idée. Ouais, comme tu dis, super idée. Je me mets avec Martine. Avec Claire et Martine. Comme ça, ça équilibrera. C'est parti! De fonction. Allez, il n'y en a pas pour longtemps. Tu sais, c'est une fonction très importante. Ce sont les premières Olympiades officielles du village. Et si c'est toi qui fais l'arbitre, tu rentreras dans l'histoire. Avec un grand I. Et illettré, ça s'écrit avec un H. Bon bah, dans ce cas, c'est d'accord. Et maintenant, on choisit les sports. Moi, je propose un combat de boxe. Et du sumo. Bah non, du karaté. Moi, je veux faire du catch, comme Whisper. Pendant 3 heures. Oh. C'est physique, je vous assure. Hop, 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 hop. C'est le juge qui décide, donc c'est moi. Chaque équipe choisit 2 épreuves. Avec des vrais sports, hein, et pas violents. Et si besoin, on fera une dernière épreuve pour vous départager. Ça me va. Tiens, soyons galants. Au futur perdant de décider la première épreuve. Oh, tu es trop gentil. Mais pas besoin de traitement de faveur. Tirons à pile ou face. Pile, les filles décident, et face, les garçons. C'est pile. Ouais. Pour la première épreuve, on choisit la roue. Quoi? Mais c'est pas du sport ça, c'est un truc de fille. Réclamation rejetée. La roue est une figure de gymnastique. Bon ben, qui sait faire la roue? Moi, je suis sûre que je peux y arriver. Merci Alain, mais non merci. Allez, à toi Jérémy. Et 1-0 pour les filles. Tu
pourrait faire attention. La peinture est neuve d'il y a 5 ans. Oui! Comme deuxième épreuve, on choisit la course à pied. Sébastien est super fort en course. Émilie, toi qui es bonne en sport. Ce n'est pas un sport assez noble pour moi. C'est bon pour Sophie. Ah oui, je suis bonne en course. J'en fais toutes les semaines. Oui, mais moi, je n'ai pas de pistolet pour donner le départ. Et un arbitre, ça doit avoir un pistolet. Moi, j'en ai un. Le premier qui arrive à Tétine a gagné. Sébastien aurait battu n'importe qui. Voyons comment les garçons vont se débrouiller à l'épreuve suivante. La corde à sauter. Quoi? Mais ça non plus, c'est pas du sport. Oh, mais si. D'ailleurs, même les boxeurs en font pour s'entraîner. Moi, je peux en faire. Martine, elle m'a déjà montré. Merci, Alain, mais une autre fois. À toi de jouer, Simon. Le vainqueur sera celui qui saute le plus longtemps. Partez! Oui! Ça va, Simon? Oui, oui. Je ne comprends pas comment les filles peuvent aimer sauter par-dessus une corde. Mieux vaut sauter par-dessus que se prendre les pieds dedans. Très bien, les filles. Vous voulez du vrai sport? Tiens, essaye. Tu vas voir si c'est pas du vrai sport. Course de vélo! Le premier qui va au grand chêne et qui revient a gagné. Dis, Jean. Je sais, tu veux faire la course. C'est d'accord. Oui, oui. Oh, zut alors, tu es trop petit. Je vais être obligée de faire la course à ta place. C'est pas vu. Tu n'es vraiment pas sympa avec Alain. Très bien, tu vas voir. Ça promet une belle course. Et pas de coup bas, hein. Je serai derrière pour vérifier. Dis, tu feras attention à mon vélo, hein, Vincent. Ne t'inquiète pas, j'ai jamais cassé de vélo. Enfin, jamais vraiment cassé. Attention, c'est parti. Faites-moi une place. Allez Martine, vas-y. Allez Martine, tu vas y arriver, vas-y. Allez Martine, vas-y. Écartez-vous, je vois pas qui est en tête. Merci. Ouf, Norbert n'a rien. Titine, je te présente Norbert. Norbert, Titine. Oh, ça va, hein. J'ai gagné. De partout. Ouais, enfin, Martine s'est arrêtée. En tout cas, les filles, bravo. On ne pensait pas que ce serait aussi serré. Maintenant, Jean, tu n'as plus le choix. C'est le tour d'Alain. Non, en fait, c'est pas possible. Alain, il est juste remplaçant, si quelqu'un se fait mal. Ah non, ça suffit. T'as pas le droit de m'interdire de jouer, parce que c'est pas toi le chef. Ah, il a raison, tu nous bassines avec ta compétition. Dans une Olympiade, l'important, c'est de participer. Excuse-moi, Alain. Vous avez raison, après tout, ce n'est qu'un jeu. Allez, fais-nous honneur. Ouais. Ça vous va si on fait une épreuve facile pour Alain? Ah non, c'est mon tour et je veux gagner. Bien d'accord. Alors, que dirais-tu de l'escrime? Parfait. Ton petit frère n'a aucune chance. En garde, mécréante. Ne lui dis pas impunément le chevalier Alain. Il se croit où, lui? Dans un film de KPDP. Il connaît toutes les scènes de duel par cœur. Tu as volé les bijoux de la reine. Foi de mort.
de touche. Et le vainqueur est le chevalier Alain. Les garçons remportent les Olympiades. Ouais, bravo Alain. Ah, on voit que t'es mon frère. Chapeau les filles. Ouais. C'est vrai, vous êtes aussi sportifs que nous. Oui, c'est juste qu'on ne fait pas les mêmes sports, c'est tout. Si tu veux, je t'apprendrai la cuisine. Oh oui, moi je veux bien. Tu sais faire les spaghettis au chocolat. Et si on mettait ça l'an prochain? Les deuxièmes Olympiades. Ouais. Allez, Titine, s'il te plaît, quoi. Titine, remarche. Il suffisait de lui parler gentiment. À moins que ce soit grâce à Norbert.